السلام عليكم مرحبا بالجميع في هذه الحصة ديال اليوم خاصة تلاميذ ديال السنة الثالثة إعدادي اللي تنطلب منهم يشوفوا هذا الفيديو تالاخر لأن فيها أهمية بالنسبة لهم ألو غادي اليوم الفرق ما بين لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون إلا بطبيعة الحال الفرق شاسع جدا

On cherche qui fait changer la situation de communication, qui fait changer ou qui fait changer l'acte de parole la, la situation de communication. Alors on de parole peut un acte de communication. Alors Tungulubi, de parole ou bien acte de communication ou bien un énoncé. Là, il y a un accent qui ne paraît pas c'est-à-dire au catholique, un énoncé. Voilà. Alors, on va essayer de mettre l'accent. Donc, il y a un tableau sur la situation de communication. Dans le Jihad de l'Yémin, il a un acte de parole, un acte de communication ou un énoncé. Donc, vous pouvez avoir ou bien acte de parole, ou bien acte de communication, ou bien énoncé. Alors, la différence entre une situation de communication et un acte de parole, la situation de communication, il vous met dans une situation. Il vous donne une situation dans laquelle il y a une personne qui parle, par exemple, dans un temps bien déterminé, dans un lieu bien déterminé. Et, eh, bien sûr, on vous demande qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il exprime. Alors, par exemple, ici, Ahmed n'est pas encore rentré. C'est-à-dire, Ahmed, mais elle m'a dit qu'elle est en train Flachia, mais elle m'a dit qu'elle est Ahmed, c'est quelqu'un qui est jeune, hein, qui est encore jeune. Elle m'a dit Sa maman est inquiète. L'homme dit qu'elle est en train de se faire. Ça veut dire, l'homme dit qu'elle est en تتكون ما هانياش الا كان الولد ديالها مازال ما دخلش للدار طبيعه الحال الوغ هي الفي دي زيبوتيز يعني الام تتبدا تحط فرضيات لأنها مخلوعه على الولد ديالها دونك شنو غتقول هاد الام هادي في الفرضيات اللي غتحط شنو غتقول هذاك الكلام ديال الام هو اللي تنكتبو هنا يعني انت كتلميذ او انت كتلميده تديري راسك في بلاصه هاد الام هادي شنو غتبدا تقول مادام ان الولد ديالها مازال ما دخلش الوغ شنو هما لي شنو هما الفرضيات اللي يمكن تقولهم هاد الام هادي هذاك الكلام ديالها هو اللي تنكتبوه هنا دونك هادي وضعيه ديال واحد الطفل مازال ما دخلش للدار الام ديالو غدير فرضيات طبيعه الحال اي فافير دي زيبوتاج الكلام ديالها اللي يخرج من الفم ديالها هو لاكت دو بارول

le conditionnel présent. Alors, puisque la maman elle va faire des, des, des hypothèses, elle va utiliser le conditionnel présent. Alors, par exemple, on va dire, elle va dire, par exemple, mon fils, puisque c'est la maman qui parle. Donc, on va dit, hein, mon fils aurait, et ça c'est avoir au conditionnel présent. Quelle est la valeur des conditionnels présents ici? C'est le doute. Hein? La, la maman n'est pas certaine, elle n'est pas sûre que son fils a un problème, elle n'est pas sûre. Alors, pour exprimer cette incertitude ou bien ce doute, elle va utiliser le conditionnel présent. En tant bien, le conditionnel présent, parmi ces valeurs, c'est le doute, c'est l'incertitude. T'installes-le le conditionnel présent, parfois, on va le voir, hein? On va le voir. Euh, pour parler poliment, hein, lorsqu'on veut exprimer quelque chose avec politesse, ou bien on l'utilise dans euh, le doute. Donc mon fils aurait peut-être, peut-être, aurait peut-être un problème. Aurait peut-être un problème. Voilà. Donc la maman a utilisé avoir au conditionnel présent. Et alors, mon fils aurait peut-être un problème. Yani, Donc il va le dire, mais la maman n'est pas sûre de ce qu'elle dit. Même elle utilise ici le verbe avoir au conditionnel présent et la valeur. Yani, le conditionnel présent, Et il échoue. Et elle a ajouté aussi l'expression peut-être, hein, peut-être un problème. Mon fils aurait peut-être un problème. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la maman? Elle a avancé une hypothèse. C'est une hypothèse. Elle hein, elle dit Faradia, mais le Faradia qui t'as posé l'homme, t'as fait le pari, il n'a le vol d'y aller. Mais elle ne va pas chez le Elle peut dire aussi, hein, les meubles de Ouah, tu une phrase, Mon fils aurait peut-être un problème, ça c'est un exemple. Et il peut dire aussi Mon fils hein, m'aurait téléphoné, téléphoné. avait eu un problème ou bien un ennui. Un problème, on va dire un problème. Un problème. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a utilisé Il a utilisé, Il a utilisé euh, ce qu'on a vu euh, concernant la condition. Si plus, plus que parfait, plus conditionnel passé. Et ça, on l'utilise lorsqu'on veut, par exemple, avancer une hypothèse. Elle peut dire, si mon fils avait eu un problème, il m'aurait téléphoné. Ou bien, mon fils m'aurait téléphoné s'il avait eu un problème. Ça, c'est si, plus, plus que parfait. Et ça c'est le verbe avoir conjugué au plus que parfait. On a vu que le verbe avoir il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc pour conjuguer le verbe avoir au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait et on ajoute le participe passé. Donc nous, nous avons avait eu. Ça c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe avoir c'est eu c'est eu c'est ça le participe passé du verbe avoir. Donc là nous avons si plus plus que parfait plus conditionnel passé. Conditionnel passé, puisque le verbe téléphoner se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc on conjugue l'auxiliaire au conditionnel présent et on ajoute le participe passé du verbe téléphoner. Donc tout ça c'est le verbe téléphoner conjugué, conjugué au conditionnel passé. C'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe téléphoner. Ça prend un accent, puisque le verbe téléphoner, c'est un verbe du premier groupe. Donc ça, c'est une autre façon de d'avancer une hypothèse. Donc vous pouvez bien sûr écrire l'une des deux phrases. Mon fils aurait peut-être un problème, ou bien, mon fils m'aurait téléphoné s'il avait eu un problème, etc. Voilà. On passe, on passe, au deuxième exemple. On passe au deuxième exemple. Là, on vous donne l'acte de parole et on vous demande quelle est la situation. Donc ça, c'est le travail inverse. <laughs> la situation de communication ou tu dis qu'à l'ouvrir l'acte de parole ou bien l'acte de communication ou bien l'énoncé, maintenant tu as l'acte de parole, tu as l'acte de parole où tu dis que je la situation, situation. Donc l'acte de parole c'est quoi C'est je voudrais avoir un extrait d'acte de naissance s'il vous plaît. Alors une femme qui n'a pas un extrait d'acte de naissance, il y a une machine a وتطلب ان اكستري داك دو نيسونس ان اكستري داك دو نيسونس هو عقد الازدياد فين تنمشيو نطلبو عقد الازدياد الو بيان سور تمشيو المقاطعه الاداريه تابع ليها تابع ليها الحل الحي ديالنا او تمشيو للبلديه او تمشيو لواحد المصلحه اللي تناخذوا فيها عقد الازدياد دونك قلت هنا جو فودري اي بيان سور لا سي لو فيغ فولوار او كونديسيونيل بريزون

donc classification, on va dire par exemple, un homme, un homme demande, il y a un il ou bien un chasse, il demande à qui il Demande à un fonctionnaire. À un fonctionnaire. Hein? de lui livrer ou bien de lui donner, de lui livrer ou bien donner un extrait d'acte de naissance. Voilà, Alors, je l'ai je l'ai écrit comme ça avec E A N. Bien je te place un nom, je ne pas, je extrait d'acte de naissance. E c'est extrait. D'acte à de naissance. Un extrait d'acte de naissance. Donc, ça, c'est la situation. Je ne sais pas la situation. هاد هاد, de parole, tigoul, Je de naissance. Je voudrais parole, un a de a voudrais avoir un, act, un extrait d'acte de naissance. هاد, هاد هاد, bishal edara, bishal مثlien, t t un extrait d'acte de naissance. Donc le clair dialo, c'est ça. Le clair diarajeli, qui est un demandeur ou qui est un demandeur qui a besoin d'aide, c'est Je lui ai dit, je voudrais avoir un extrait d'acte de naissance, s'il vous plaît. Il m'a demandé, est-ce que vous utilisez les expressions ou bien deux, deux, deux modes pour exprimer la politesse Est-ce que je voudrais le vouloir au conditionnel présent. Le conditionnel présent. Hein, de la valeur de la politesse, ou s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, on le dit pour parler poliment. Et là, il y a le vous-voi-moi. Hein? Vous, ça exprime le... C'est un acte de vous moi Et le vous moi on l'utilise pour parler poliment. Voilà. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, un élève donne son avis sur l'importance de la lecture. Alors maintenant, on passe au troisième exemple. On nous a donné la situation, situation de communication, c'est un élève dans son avis sur l'importance de la lecture, et on nous demande de trouver l'acte de parole, ou bien l'acte de communication, ou bien l'énoncé, bien sûr. Et là, l'acte de parole, ou acte de communication, ou énoncé. Il a un défait, ou rhabpahleb, ou rajetleb

تيعطي الراي ديالو حول اهميه القراءه هذه هي الوضعيه هاد التلميذ هذا شنو غايقول شنو الكلام اللي غادي يخرج من فمو دونك سو كيل فا دير اون فا ليكري ريسي يعني اي واحد فيكم تيحط راسو في بلاصه التلميذ و تيقول شنو غنقول انا الا كنت في هاد الوضعيه دونك هاد الوضعيه هي لا سيتوياسيون دونك لا اون نو دوموند لاك دو بارول Alors, quel est l'acte de parole Ou bien, quel est l'acte de communication Ou bien, l'énoncé Bien sûr, un élève donne son avis sur l'importance de la lecture. Donc, c'est son avis à lui. Donc, il va dire, par exemple, hein, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, la lecture, la lecture est extrêmement importante. Et extrêmement extrêmement importante. Voilà. Nagal pour moi. هو اللي تيتكلم هو اللي تيعطي الراي ديالو الشخصي قال ديال هنا بوغ موا بوغ موا هي بالنسبه لي بالنسبه ليا بالنسبه لي بالنسبه لي المطالعه او القراءه هي مهمه جدا اكستريمومون سا فيدير تري تري امبورطون فوالا او بيان يل بو دير ا مون في رايي à mon avis, الشخصي, hmm, la, lecture, la lecture est extrêmement importante. il y a d'autres expressions, hein, une autre phrase, mais l'importance de la lecture. bon, nous, à titre d'exemple, mais donc, je vais dire pour moi, à mon avis, hein, ou bien je crois que, je crois que, je crois que, il peut dire je pense que, je pense que, voilà, et on bat, je pense que, je crois que, la lecture, la lecture est extrêmement importante. Donc, la suite, vous la connaissez. Voilà. Ou bien, il peut dire euh, personnellement. Hein, je n'ai pas la place pour l'écrire. Personnellement, euh, je crois que la lecture est extrêmement importante. Si vous avez de la place, vous pouvez dire pourquoi. Extrêmement importante. Parce qu'elle nous permet d'avoir des connaissances, parce qu'elle nous permet d'avoir un style d'écriture, etc. En tout cas, c'est donner la vie. Et pour donner la vie, on, on peut dire pour moi, euh, ce sont les expressions par lesquelles on commence la phrase. Pour moi, à mon avis, je crois, je, euh, à, mes, à mon sens, hein, on peut le dire aussi. À mon sens, la lecture est extrêmement importante. Voilà, donc, quand une séance, je suis en train de faire le la situation de communication et l'acte de parole, ou bien l'acte de communication, ou bien l'énoncé, je suis donne train de qui est fait que c'est un peu plus de Je suis en train de faire le fait que c'est un

وحاولوا ما امكن تبارطاجيو آه لي فيديو كاملين وحاولوا تشوفوهم كاملين من بدايه حتى النهايه واخا غادي ياخذوا لكم الوقت ديالكم شويه لان فيهم اهميه وفيهم استفاده بالنسبه لكم وحاولوا كذلك تبارطاجيو هاد لي فيديو باش يستفد اكبر عدد من التلاميذ ان شاء الله وتنتمنوا النجاح للجميع ان شاء الله بحول الله شكرا لكم الى اللقاء